Qu'est-ce qu'il y a pas des bêtes. Voilà. Tu diras à sa mère. Moi bien. Hey, c'est pour le match pictural, le match de peinture, ouais, vendredi soir. Raphaël ? Raphaël ? Oui, c'est moi. Citoyens du monde libre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue en 2017. Bienvenue dans un siècle où la violence est désormais culturelle. Et on ne sait pas si ça va le faire parce qu'on a eu les oui au téléphone là. J'ai toujours rêvé d'être un artiste contemporain. Peintre et artiste de bonne volonté. On est en plein dans l'intelligence, mesdames et messieurs. Les gens qui sont capables de comprendre ce humour, nous sommes que une dizaine ici présents, le reste du monde ne comprend pas ce qui se passe ici. Nous sommes dans l'unicité de l'instant. C'est pour ça que ce soir, je fais un gros battle avec des amis. Il y en a deux, ils ressemblent un peu à des pébrons, ils ont des masques un peu. Gioconda arrive avec vous. Nous tenons à vous annoncer que dans la permanence. Désormais, le combat commence. Des amis, tu vas vite en besogne. Hein. Ah, Iron. On leur a expliqué, on allait faire le format comme ça, ouais. 2 mètres sur 1. Méfiez-vous, tyran, peintre, méchant peintre de la Ciotat. Mais je crois qu'ils ont peur, hein, parce qu'ils discutent. Ils pinaillent. Voilà, je pense qu'ils vont déclarer forfait. Ouais. À mon avis, on a gagné déjà. Hein. On a gagné. Si, il y a le fall. Et on remarque, attention au bilingès, attention au bilingès. Thibaut a fait preuve d'assez d'une stratégie, il est aveuglé, mais il sèche sur son Donald Duck, je ne sais pas pourquoi. Est-ce une façon de travailler en couple, de travailler avec un gaucher et un droitier? C'est pas un travail. C'est un vrai travail. 2 minutes pour me parler d'où de vous en êtes. Moi, franchement, je suis né pour dessiner à Donald Trump. Il fait des peintures et des sculptures, mesdames et messieurs. Papa, c'est Thibaut Fort. Comment ça se passe, sa collaboration? Eh bien, en fait, on s'est entraîné à une forme de télépathie, qu'on n'a pas besoin de parler. D'accord. Posez sa griffe, mesdames et messieurs. Thibaut, tu retournes vers ton public et tu vas essayer d'imiter Donald, tu sais. Vas-y. Encore, c'est super bien fait. Oui, vous avez la patate? Là, en gros, tu vois, on a fait un cadre. Oui, alors je vois, c'est un cadre. Là, on est prêt. Alors, est-ce que vous avez besoin d'idées ou pas? Vous avez déjà une. Fais le pont! Le centre de la permanence, c'est ici, je parle, je traduis pour les deux. Regardez comment ça évolue. Ce franc tellement libre, ce franc tellement lourd. Alors Donald est en train de récupérer une main orange aussi. Décalage horaire, mesdames et messieurs, plus que 3 minutes. Depuis le 20
27 avril 1982. Chers amis, il nous reste quelques instants avant que les sèches-cheveux ne retentissent et que vos stylos fassent glisser les millions sur le carnet de chèques. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes face à un défi artistique unique. Nous étions devant deux planches de médium, vierges, absolument vierges. Elle allait nous faire interpréter Donald et le jardin. Je bois un coup pour notre vie. Mais oui, vous n'avez qu'à bien vous tenir, car les peintres anonymes de Arles vous mettent en garde. Le combat de vendredi prochain, vendredi 10 février, sera rude. Vite alors ! Vite, vite alors ! Rendez-vous au 3 rue des Pénitents Bleus, où le destin de la peinture mondiale se jouera. Citoyens picturaux du monde libre, les Anonymous peintres vous saluent.